Est-ce que l'assèchement de l'Euphrate est un signe de la fin des temps Est-ce que ça veut dire que Jésus va revenir très très bientôt En Apocalypse chapitre 16, en effet, il y a le sixième ange, hein, le sixième ange durant la colère de Dieu, je le rappelle, qui va verser une coupe, l'Euphrate va être asséché et ça va préparer la voie pour les rois qui viennent de l'Orient, c'est tout ce qu'on sait. Et si vous étudiez bien votre Bible et que vous connaissez la chronologie de l'Apocalypse, eh bien vous savez que la colère de Dieu, elle dure 1260 jours ou 42 mois ou 3 ans et demi. Et on sait que l'Euphrate, il s'assèche depuis de nombreuses années et on a même prédit, hein, ce sont des scientifiques qui l'ont prédit, que d'ici 2040, eh bien, il y aura potentiellement plus d'eau dans l'Euphrate. Donc ça ne colle pas, non seulement on est durant la colère de Dieu et durant la colère de Dieu, il n'y a plus les chrétiens, ils ont déjà été enlevés, mais en plus, eh bien, il y a un intervalle très court. Vous savez, dans la Bible, quand Dieu, il juge, quand il envoie un châtiment, rappelez-vous les plaies d'Égypte, ça s'est passé très rapidement. Quand toute l'eau eh des fleuves a été changée en sang, est-ce qu'il a fallu des décennies pour que ça se produise Non, pas du tout, ça s'est produit très rapidement. De la même manière, quand cet ange il va venir déverser cette coupe, ça va être très rapide, ce qui n'est pas le cas actuellement. Ce que vous devez comprendre, et là vous devez être très attentif, c'est que Apocalypse se divise en deux parties. Vous avez une première partie qui parle eh bien, de la lettre écrite aux sept églises, ensuite on entre dans la tribulation et après on a la colère de Dieu. Et après, à partir du chapitre 12, eh bien on revient en arrière, on part de la naissance de Jésus-Christ, on arrive à la tribulation et encore une fois à la colère de Dieu. Donc en fait, ces deux parties, elles décrivent les mêmes événements d'un point de vue différent. Et qu'est-ce que vous remarquez Eh bien que les sept sauts, ça correspond à la tribulation, mais les sept trompettes qui vont sonner, eh bien ce sont des trompettes qui vont être sonnées en même temps que les coupes qui vont être versées. Les coupes et les trompettes, ce sont des événements simultanés, ça arrive en même temps durant la colère de Dieu. Et les coupes et les trompettes, on ne va pas les voir, nous les chrétiens, on sera déjà au paradis. Donc le fait que les gens y paniquent, c'est pour deux raisons. Un, parce qu'ils ne connaissent pas la chronologie de l'Apocalypse, et je comprends, c'est un livre difficile. Deuxièmement, c'est parce que eh bien, vous n'avez peut-être pas l'assurance d'être sauvé. Beaucoup de gens n'ont pas l'assurance d'aller au paradis, d'être enlevés, ils ont peur de vivre ces événements-là. Mais si vous êtes sauvés, vous n'allez pas les vivre. Dieu, il ne nous a pas destinés à la colère. Et la colère de Dieu avec les sept anges qui déversent les coupes, ce sont des jugements sur les nations, pas sur les chrétiens. Donc si l'Euphrate est en train de s'assécher, eh ce n'est pas forcément que c'est un ange qui a déjà versé une coupe, parce que où sont les cinq jugements qui précèdent Et ce sont des jugements très sévères, très importants, spectaculaires que le monde entier aurait déjà vu. Et ce n'est pas le cas. Donc ne stressez pas, que Dieu vous bénisse.